Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous ne sommes pas dans notre studio habituel. Comme m'a dit un ami ce week-end, le parloir. J'ai quitté le parloir, j'ai reçu une permission. Donc voilà, pour trêve de plaisanterie, mon bureau est occupé. Donc je vais faire cette vidéo d'un endroit assez improvisé, vous m'excuserez pour cela. Et je suis encore en convalescence, j'ai eu une petite crise intestinale hier, donc je suis encore en train de me remettre. La vidéo d'aujourd'hui sera une espèce de tour du monde en passant par trois capitales, hein, Paris, Los Angeles et Bogota. Alors Paris a vu la victoire fulminante, époustouflante du Rassemblement national. Bon, il faut savoir féliciter Madame Le Pen et le Front National, enfin le Rassemblement National. 89 députés, personne n'a vu venir, surtout pas moi. Donc il faut faire preuve d'humilité. Et se rappeler que nous sommes dans un domaine qui échappe à la science. On dit les sciences humaines, en fait, c'est du pipeau, il n'y a pas de sciences humaines. Il y a les sciences exactes et il y a une approche scientifique dans la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie, ces choses-là. Mais ce n'est pas très scientifique, il ne faut pas non plus pas prendre ses rêves pour des réalités, surtout pas la science politique. Il y a des règles. Il y a des règles qui se vérifient, il y a des tendances, il y a des choses qui se répètent sur lesquelles on peut compter, qu'on peut prévoir, on peut prévoir qu'elles se manifestent, mais il n'y a rien de réellement noir ou blanc. Hein. On n'est pas dans une équation mathématique, surtout pas dans le domaine électoral, on est dans le domaine de l'émotion pure. Voilà, donc preuve d'humilité. Maintenant, énorme, immense responsabilité sur les députés du Rassemblement national qui vont devoir faire le job. Hein. On ne peut pas, une fois à l'Assemblée, il faut qu'ils fassent le job et ce n'est pas facile quand on sait qu'ils veulent rester dans l'Europe et ils veulent interdire les dérives de l'Europe, notamment l'immigration. Bon, on verra. Moi, je leur souhaite bonne chance. Deuxième point, c'est, je vous ai dit Los Angeles, mais on va faire d'abord un tour par Bogota. Bogota, vous avez la gauche qui a gagné les élections présidentielles. Alors c'est normal, enfin c'est pas un drame. Il y a beaucoup de commentaires alarmistes dans la presse de droite sur ça, sur la victoire de Monsieur Petro. Bah, il faut bien l'alternance. La gauche n'a jamais gagné en Colombie depuis les années 50. Colombie a toujours été à droite pour des motifs liés à la guerre civile, à l'alternance organisée par les partis bourgeois, les libéraux, les conservateurs, les deux de droite. Qui ont fait que, bon, pour plein de raisons, le pays a toujours voté à droite. Pourquoi? Enfin, pour le dire très simplement, la guérilla était à gauche, la guérilla violée, kidnappée, rançonnée. Ben, les gens votaient à droite. Tout simplement, c'est un réflexe hygiéniste de bonne santé. Maintenant qu'il y a l'accord de paix, eh bien, on a donné une légitimité à la guérilla. Ce qui fait que les gens qui sont de gauche, ils sont moins stigmatisés. On a dédiabolisé la gauche. Voilà ce qui s'est passé en Colombie. C'est qu'il y a l'accord de paix de 2016. Qui n'a pas servi à grand-chose parce que la guerre civile continue sous d'autres formes, mais on continue à kidnapper, à violer, à rançonner, à vendre de la drogue, voilà. Cet accord a eu pour principal objectif, enfin objectif, fonction, on va dire, effet de dédiaboliser la gauche. C'est aussi c'est plus que la victoire de la gauche, c'est la défaite de la droite colombienne qui a été aussi stupide que la droite française. Alors, je veux pas être cassant parce que je veux pas être cassant. Je m'excuse d'avoir dit ce mot-là, qui a été aussi, on va dire, malheureuse. Ont mal avisé que la droite française, parce qu'elle a livré le pouvoir à la gauche, parce que le président Duque, qui était de la droite colombienne, a très mal gouverné. Il a très très mal gouverné et il a montré beaucoup de faiblesses. Voilà, il a donc donné la preuve, il n'a même pas laissé de successeur. C'est-à-dire que son parti n'avait pas de successeur, n'avait pas de candidat. Rendez compte, c'est comme si LREM n'avait pas de candidat à la réélection. Donc, on est parti chercher des gens de seconde zone, de Medellín ou d'ailleurs, qui sont très bons, mais régionalement. Tu vois, c'était des patrons de région, des patrons de département. Ils avaient peut-être un destin national, mais pas cette fois-ci. Enfin, le risque était énorme. Ils sont partis chercher un type qui s'appelle Fico Gutiérrez. C'est ça, Federico Gutiérrez. On dit Fico Gutiérrez de Medellín, qui est très bien. Jeune, beau, bien câblé, mais c'était sa première fois. Un risque énorme face à la gauche qui était prête. Je crois que Gustavo Petro était sa troisième, sa quatrième élection, tentative. Donc attendez-vous à ce que la guerre civile reprenne. Enfin, elle a jamais, c'est jamais arrêté. Mais là, on va mettre de l'huile,
On va mettre de l'huile sur l'incendie, là, l'huile sur le feu, parce que vous avez vous avez, disons que, enfin, les FARC qui n'ont jamais désarmé, il y a une partie des FARC qui a désarmé, l'autre qui est restée dans la montagne, ceux-là, maintenant, aujourd'hui, enfin, là, c'est la fête, parce que maintenant, ils vont trafiquer la drogue vers les États-Unis, vers le Venezuela, vers le Brésil, en ayant la bonne conscience, parce que. Ils savent que personne n'ira les chercher. Donc, plus ils vendront de drogue, plus ils auront d'armes, plus ils pourront se défendre et gagner des territoires, parce qu'ils sont divisés entre eux, les FARC. Vous avez maintenant les dissidences contre les FARC légitimes. Enfin bon, vous allez voir des guerres fratricides, avec des balles perdues pour les civils. Mais bon, comme ce sont des balles de gauche, tout le monde s'en fout. Et vous avez des gens qui ne sont pas. Vous avez des guérillas qui ne sont pas de gauche, ou qui sont carrément d'extrême droite, comme les paramilitaires. Ces gens-là, ils vont prendre peur et ils vont vendre plus de drogue pour acheter plus d'armes. Vous allez voir des grandes batailles. Quand je dis des grandes batailles, ça veut dire une région comme, je sais pas moi, comme les Alpes de Haute-Provence, qui est complètement inaccessible à l'État. Vous avez des maquis de droite, de gauche dissidente, de gauche non dissidente, et la fête de la cocaïne. Voilà. On me dirait, tant que les Américains, les Brésiliens, les Français achètent de la cocaïne, les petits Colombiens vont mourir. Mais c'est pas la faute que. Faut pas déresponsabiliser les Colombiens. Il y a une appétence à la violence, parce que finalement, un homme avec un fusil n'a pas besoin de réfléchir. Un homme qui a un fusil, c'est un luxe d'avoir un fusil d'un vrai fusil d'assaut, rifle comme on dit. C'est magnifique. Tu n'as pas besoin de réfléchir, tu te sers. Voilà. Ça, c'est pour la Colombie. Bon, les Américains ne sont pas mécontents. Biden n'est pas mécontent. Pas parce que la gauche, pas parce qu'un ancien révolutionnaire a pris le pouvoir en Colombie que les Américains sont mécontents. Non, ils sont plutôt contents parce que ça veut dire qu'il y aura plus de guerres civiles, donc ils vont vendre plus d'armes au gouvernement colombien. La DEA va s'ingérer de plus en plus en Colombie parce qu'il y a un accord d'extradition. Apparemment, Gustavo Petro va pas l'enlever parce que s'il l'enlève, il perd tous les financements américains et il y aura plus d'immigration colombienne aux États-Unis. Donc c'est très clair. Donc je pense pas qu'il va l'enlever. Donc vous allez voir, voilà, les Américains, ils auront mille et une raisons de remettre le pied en Colombie. Alors, ils n'enverront pas leurs conseillers dans tous les coins de Colombie, ils les enverront là où c'est sûr, là où l'État colombien est suffisamment fort pour pas qu'ils se fassent enlever. Mais voilà, il faut bien comprendre que la politique enfin, certains pays sont tellement riches et tellement fertiles qu'on ne peut pas les laisser prospérer. Genre le Brésil, genre. Le Congo, genre la Colombie. Alors là, c'est un peu complotiste ce que je dis là, mais je veux dire que quand tu es américain, ou tu es russe, ou tu es français, enfin, quand on avait encore une diplomatie, quand tu es une grande puissance, et tu vois des pays comme le Congo, le Brésil, la Colombie, où il y a de l'eau, des diamants, des émeraudes, du bois, de la place, de la terre fertile, des ports, un peuple travailleur, eh bien, tu te dis, soit je les colonise, soit je les asservis. Et si je peux ni les coloniser ni les asservir, eh bien je les désorganise. Parce que comme ça, au moins, ils ne peuvent pas concurrencer mes agriculteurs et ils peuvent pas. Et je les interdis à mes concurrents. C'est-à-dire que j'interdis aux Chinois de prendre le Congo, j'interdis aux Chinois de prendre le Brésil ou la Colombie. C'est la politique qui est menée. C'est-à-dire que tous les partis qui sont décadents sont promus. Au Brésil, les Américains voient d'un très bon œil Lula, même s'il est décadent. Parce qu'ils savent qu'il va organiser l'impuissance du Brésil. Ils ne veulent pas de Bolsonaro. Avec tous ses défauts, Bolsonaro. Parce que Bolsonaro, il dit, l'Amazonie est à moi, je vais l'exploiter. Tu te rends compte? Les Brésiliens vont accéder aux terres rares. Ils vont exploiter le sous-sol, qui aujourd'hui leur est interdit, parce que ce sont des réserves indigènes. Ils n'ont pas le droit d'y mettre les pieds. Voilà, donc on ne veut pas. Bolsonaro n'est pas corrompu. Il a un défaut, il n'est pas corrompu. Donc on va mettre Lula, voilà, quelqu'un comme ça, qui va rétablir la corruption, il va rétablir le bordel, faut dire les choses comme ça. Comme ça, tout le monde est content, les droits de l'homme, l'extrême gauche, la gauche, les médias, les lobbies divers et variés, les minorités sexuelles. Et le Brésil n'avance pas, recule. Comme ça, les Américains n'ont pas de concurrents. Comme ça, les Russes n'ont pas de concurrents. Enfin, concurrents. Vous voyez, le Brésil, malgré son climat tropical, il est le sixième exportateur mondial de blé. Vous vous rendez compte, ces gens sont très forts. Les Brésiliens sont très doués pour l'agriculture. Nous, on voit les cow-boys et tout ça, non? Sixième exportateur mondial de blé. Donc, si enfin, la crise en Ukraine, c'est une aubaine pour le Brésil qui exporte son blé. Je ne sais plus si c'est sixième ou pas, mais enfin, bon, c'est un grand exportateur de blé. Et d'ailleurs, les exportations ont explosé. Vous vous rendez compte?
la concurrence que c'est pour l'agriculture européenne, le Brésil. Moi, je suis Macron, je mets Lula, je vais pas mettre Bolsonaro, qui va remettre le pays en ordre. T'es fou. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est pas du complotisme, c'est de la politique. C'est vieux comme le monde. Voilà, Los Angeles, Madame Jennifer Lopez, de laquelle j'ai fait une description dithyrambique la semaine dernière, là, elle m'a affligé, là, parce que dans un show, là, dans un match de foot ou je sais pas quoi, là, aux États-Unis, elle a fait danser sa fille, s'appelle Amy, et elle l'a appelée elle, they. Au lieu de dire she, elle l'a appelée they. Il paraît que c'est en langage codé, là, dans la secte des minorités sexuelles que vous connaissez. Il paraît que ça, c'est un symbole d'allégeance, ou je sais pas quoi, la they. Au lieu de dire il ou elle, on dit eux. Voilà, donc ça, la confusion. Enfin, moi, je suis très déçu par Madame Lopez parce que, franchement, elle est riche, elle est jeune, elle est belle, elle n'avait pas besoin de se vendre à un lobby. Quand même, c'est grave de voir que quelqu'un. Enfin, pour réussir, il faut se vendre, il faut faire allégeance. C'est moi qui dois faire allégeance. Moi qui suis sans le sou, personne, je suis personne. Moi, je devrais faire allégeance, à la limite. Mais quand tu es Jennifer Lopez, tu as gagné des milliards de dollars, je dis bien des milliards de dollars. Tu évites, tu as de l'attitude, pas besoin de faire allégeance à un lobby X ou Y, ni à l'église évangélique du septième jour, ni au lobby arc-en-ciel de je Pasadena. En plus, infliger ça à ta fille, en plus qui est très jolie, enfin, c'est une belle femme, enfin, c'est une jolie fille, ben, laisse-la grandir comme une femme. Enfin, je veux dire que c'est pas possible. Comment tu vas lui créer cette confusion? Enfin, on est vraiment dans la décadence de l'Occident. On est en train de s'en prendre aux enfants. À nos enfants, les gosses de riches. C'est peut-être ça la justice sociale. C'est qu'avant, je m'excuse de parler vulgairement, on salopait les gosses des pauvres. On leur disait, jouez au foot, écoutez du rap. Maintenant, c'est les gosses de riches qu'on est en train de casser. C'est peut-être ça le capitalisme. Hein. Peut-être qu'il avait une promesse cachée, la promesse de l'égalité. Comme ça, on va détruire tout le monde. C'est très grave. Madame Jennifer Lopez, ressaisissez-vous. D'accord? Por favor. Señorita López, un poco de, comment se dit, de décencia. Bon, allez, à plus tard. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Retrouvons-nous demain pour une vidéo sur un thème surprise. Et puis, n'hésitez pas à partager, à diffuser cette vidéo. Vous savez bien que l'algorithme n'aime pas ce genre d'idées. Allez, à plus tard.